La nuit des idées, l'idée principale, c'est de se faire plaisir. Et de se faire plaisir, non pas en allant assister à quelque chose, mais de se faire plaisir en participant à quelque chose. Et la participation, c'est pas une participation financière, c'est une participation par le cerveau qui se met à fonctionner, et qui se met à fonctionner en écoutant les autres et en se donnant envie soi-même de contribuer. Donc ça, c'est l'idée générale de la nuit des idées, et de ressortir en étant plus riche des idées des autres et en ayant fait partager sa propre idée à d'autres. Et puis la table ronde, on vient d'avoir une table ronde, majoritairement des jeunes, avec des jeunes qui sont eux-mêmes porteurs de leurs propres projets. Et moi, ce qui m'a plu, c'est essayer de leur faire sortir juste de « voilà ce que je voudrais faire moi quand je serai grand » à « voilà comment il faudrait transformer la société ». Et vous avez vu, on a fixé une règle, parce que c'est trop facile sinon de dire « il faudrait plus d'argent pour telle politique de jeunesse, pour telle formation, pour telle chose ». On leur a dit « interdit de parler d'argent, parler de pratique, parler d'idées véritablement ». Et on a vu qu'il y avait de quoi faire. Hein. En 20 minutes, on a récolté tout un paquet d'idées. Moi, j'ai retenu notamment celle qui est, j'allais dire, franco-tunisienne, de cette mère de famille qui nous disait « mon fils trouve que l'éducation civique, c'est abstrait, ça n'a rien à voir avec ce que je voudrais faire », qui disait « il faudrait plutôt faire de l'engagement citoyen, y compris à l'école primaire ou au collège ». Ça, c'est une idée absolument formidable, elle est facile à mettre en œuvre, il suffit juste de bousculer quelques coutumes, si je puis dire, et c'est des choses qui peuvent faire beaucoup progresser les jeunes. Donc moi, je sors de la nuit des idées avec plus d'idées. Et moi, les messages que j'ai envie de faire passer, que ce soit à ces jeunes-là qui étaient là ce soir, aux jeunes Tunisiens ou à la Jasmine Foundation, c'est mettez-vous ensemble pour partager les idées, les porter ensemble. Chacun, on va rencontrer 36 obstacles et des petits collectifs qui portent des idées arrivent à ne pas se décourager, à trouver des solutions et à faire trois pas de plus et à faire que le mouvement d'idées soit un mouvement perpétuel et pas un mouvement qui se dégonfle.